banger. Ooh, I gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute. Yo les gars, c'est Globox. Aujourd'hui, bon, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. C'est pas sur Call of Duty, mais encore une fois sur le PlayStation Store. Comme vous le savez, à chaque promo, je fais une vidéo. Comme ça, vous profitez un maximum des promotions pour acheter des jeux intéressants et surtout pas chers. Alors, j'ai déjà regardé plusieurs fois. Il y a pas mal de jeux que je ne connais pas. Donc, si vous connaissez le jeu, si vous me conseillez un jeu, bah, les commentaires sont là pour ça. Voilà, tout simplement. Donc on commence tout de suite avec Dark Souls 3 à 50€. Bon, ça, c'est quand même assez cher pour des promos, c'est pas intéressant. De toute façon, le jeu, je ne le connais pas. Voilà, peut-être que c'est honteux de ma part. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Dites-le moi dans les commentaires. Alors, Resident Evil 6. Donc vous le prononcez comme vous voulez. Je sais qu'il y a plusieurs prononciations. C'est le 6. Alors, moi, j'ai déjà joué au 6. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était pas... Terrible. C'était pas un très très bon jeu, en tout cas pour la licence. Parce que moi je suis fan de la licence. Et d'ailleurs on va voir par la suite. Hein, parce qu'il y en a d'autres. Alors là on est avec Metal Gear Solid à seulement 5€ au lieu de 20€. C'est aussi intéressant, je regarderai un peu combien de gigas il fait. Sinon je vais même le prendre. Voilà, bien sûr comme d'habitude il y a aussi les Season Pass, etc. Donc Final Fantasy, il y en a aussi pas mal, mais ça m'intéresse pas, honnêtement ça m'intéresse pas. Digimon, ben voilà, on a tous connu cette époque Digimon, avant Pokémon, enfin voilà, c'est pas un jeu qui m'intéresse, hein, peut-être pour vous, oui. Ça c'est deux jeux que je ne connais pas, donc si vous connaissez, ben, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Street Fighter, ben, je suis pas vraiment fan des Street Fighter, même si on a tous joué à un Street Fighter dans sa vie, que ce soit sur PS2, Nintendo, on a déjà tous testé ce jeu. Et voilà, comme je vous l'ai dit, Resident Evil 0, et celui-ci, je sais pas si c'est le 1, j'ai jamais joué au 2. Écoutez, ici on a les deux Resident Evil, le 1 et le 2, pour 15€, donc je vais me le prendre. Et je vais vous dire ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Donc après, après cette vidéo-là, bah, je vais le prendre, tout simplement. Il y a aussi Resident Evil Révélation 2. Voilà, je n'y ai jamais joué. Je regarderai un peu les critiques, et etc. sur jeuxvideo.com. Donc celui-ci, je ne le connais pas. Donc ça, c'est le Season Pass avec, je pense. Ouais, non, c'est une édition. Dark Souls 2 à 20€. Alors ce jeu m'a l'air d'être intéressant les gars. G-Star Victory PS Plus Digital Edition, ok. Un jeu de baston avec des héros comme Sangoku, il y a Naruto, il y a One Piece, etc. Ça a l'air d'être sympa, honnêtement j'hésite. J'hésite vraiment à l'acheter. Je verrai bien par la suite. Gravity Rush, je ne connais pas. Je vois qu'ils sont remasterisés, donc ça devait être un jeu PS2. Naruto, bon, je suis pas fan des Naruto moi personnellement. Ultra Street Fighter, ok, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dragon Ball Xenoverse, j'ai joué sur Xbox One à ce jeu, j'ai pas été fan, honnêtement. Pourtant, j'adore Dragon Ball, c'est un manga super, et j'ai pas accroché, honnêtement, j'ai pas accroché. D'ailleurs, le 2 est annoncé, hein, je l'achèterai quand même, j'espère qu'il sera un peu plus mieux, voilà, tout simplement. Final Fantasy, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas intéressant. One Piece, voilà, j'ai jamais regardé la série. Final Fantasy encore, je connais pas ce jeu. Sinon, voilà, ici on passe aux jeux qui sont pas terribles. Megaman, je connais vite fait quoi, mais c'est pas pour moi. Donc voilà, il y a des petits jeux à 6€, etc. Vous pouvez constater, vous avez des yeux. Dragon Quest, ben, je l'ai sur PS4, mais j'ai pas accroché non plus. Pourtant, je suis fan de la licence. C'est une de mes licences préférées. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Et j'ai été déçu. Donc voilà, là je passe parce que c'est des jeux que je ne connais pas. Donc si vous me conseillez un jeu, les gars, conseillez-moi un jeu pas trop cher, please. Et voilà. Donc là, on passe des jeux nuls. Voilà, ici, vous pouvez voir que j'ai déjà acheté ce jeu-là. Bon, voilà, c'est un jeu que j'ai toujours adoré. On a tous joué à ce jeu au moins une fois dans sa vie. Il était à 2,50€. Pas cher, franchement. Donc voilà, je passe parce que ça, c'est pas des jeux qui sont extraordinaires. Voilà, les gars. C'est pas fini. Il y a aussi, sur le côté, The Division. Donc, il est à combien? Il est à 45€. Avec le Season Pass, il est à 70€, 70€. Call Edition. Et il y a, voilà, ici, bah, c'est ce jeu-là que je vous ai dit qu'il est assez intéressant. Regardez, je vous montre juste. Vous voyez, on peut voir un peu
On voit Sangoku, on voit Naruto, on voit One Piece, quoi. Je sais pas si c'est son nom, One Piece, parce que j'ai jamais regardé ces mangas-là, à part Dragon Ball. Du coup, voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, si vous avez vu un jeu qui était intéressant, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous allez acheter un jeu. La dernière fois, je vous ai sorti une vidéo, il y avait Battlefield 4 à 5€, bien sûr, je l'ai acheté. J'ai acheté que ce jeu-là, j'ai pas acheté Need for Speed. Bref, les gars, n'hésitez pas, les commentaires sont là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Globox. Bye bye.